the cities mission, it is a specific mission where we want to have at least 100 climate neutral cities inside the European Union by 2030. So this is a huge ambition. And the second objective is that we want to have all cities in the European Union climate neutral by 2050. Il y a deux ans, la ville de la Louvière a adopté son projet de ville à l'horizon 2050. En 2050, on veut avoir une ville qui soit une ville-parc. En 2050, on veut avoir une ville dont les villages soient connectés et où il y ait une vie citoyenne. En 2050, on veut avoir une ville dont l'économie soit multiple et résiliente, par opposition à ce qu'on a connu peut-être dans les siècles précédents, où c'était une économie unique basée sur le charbon. En ayant notre projet de ville à l'horizon 2050, voilà que l'occasion est offerte par l'Union européenne de devenir une mission city pour être neutre en carbone en 2030. On vient d'une situation qui n'est pas forcément idéale. Donc c'est une ville de taille moyenne, 80 000 habitants, avec un fort passé et présent industriel, mais qui est aussi responsable de beaucoup de nos émissions de gaz à effet de serre. Là où la ville émet environ chaque année 220 000 tonnes de CO2, actuellement, dans une année avec 2 mois de fermeture, l'industrie a émis 100 000 tonnes. Les émissions de gaz à effet de serre liées au logement atteignent 60%. Le deuxième secteur, c'est bien sûr la mobilité, pour 15%. Well, the cities, they are only 4% of the territory of the European Union, but at the same time, 75% of all our citizens live in the cities. And cities also consume 60% of the energy, and they account for 70% of the greenhouse gas emissions globally. One of the novelties of this city's mission is that we do not impose anything. We don't have a blueprint ready to say, you know, this is what a city needs to do to become climate neutral, but we take the needs of the individual cities as a starting point. We know that the solutions that may be good for Copenhagen may not be the same as for Athens, for instance. Notre rôle en tant que pouvoir communal, c'est de donner la possibilité aux gens de abandonner la voiture individuelle pour le vélo ou pour la marche à pied. Mais bien sûr, il faut donner la possibilité aux personnes de passer à ces meilleurs moyens de mobilité. Je vais citer l'exemple de la ligne principale qui traverse l'entité, qui mène de l'est à l'ouest. Elle était à une fréquence insuffisante. Dorénavant, on sait qu'on ne doit pas consulter l'horaire. On attend maximum 15 minutes et le bus est là. Pour le vélo, on a 106 km d'aménagement et on est encore en train d'en prévoir. Ce que j'espère, c'est que le statut d'être une Mission City va rendre les citoyennes et les citoyens fiers d'appartenir à une ville qui a été sélectionnée. C'est reconnu par des personnes extérieures. Et donc j'espère une certaine volonté du coup de participer à l'effort collectif pour arriver à ce que la mission soit un succès. We really wanted, you know, through these missions to really engage with the citizens, because we want to hear also from the citizens, you know, what is the city they want to live in. We involve the citizens in all the steps of the mission. So when we identify the missions, in the implementation of the mission, but also in the evaluation of the mission, so the citizens will be at the heart of the success of our transition.